Monsieur, bonsoir. La pluie est arrivée par le nord-ouest. Vous vous en êtes sans doute rendu compte. Elle va progresser et rencontrer d'autres masses nuageuses qui stationnent sur le sud-est, ce qui ne devrait pas arranger la situation. Méfiance d'ailleurs si vous vous situez entre le Jura et l'ouest du Rhône. On attend de fortes précipitations jusqu'à mardi. Demain matin, ces pluies seront dans un premier temps faibles, avec quand même de la neige à partir de 2000 mètres, du vent dans la vallée du Rhône à 60 km/h. Et puis à l'arrière, la traîne sera relativement clémente avec tout juste quelques averses côtières. Dans l'après-midi, en revanche, méfiance, donc, car les pluies devraient redoubler d'intensité. Le vent, lui aussi, devrait se renforcer sur l'ensemble des régions situées entre le Jura et l'embouchure du Rhône. Toujours un peu de neige à partir de 2000 mètres. Et puis à l'arrière, des pluies plus faibles, en attendant de retrouver notre ciel de traîne, avec un ciel relativement encombré, des averses un peu plus fréquentes que dans le courant de la matinée. Les températures accuseront une légère baisse sur les régions du nord-ouest demain matin. En revanche, elles seront en hausse sur les régions du nord-est et il fera carrément 15 degrés au lever du jour à Marseille. Dans l'après-midi, des valeurs stationnaires et conformes aux moyennes de saison avec 10 degrés dans le Cotentin, ici, sur l'île de France ou sur l'extrême nord du pays, 13 degrés à Strasbourg, 17 du côté de Lyon et jusqu'à 21 degrés en Corse. Cette semaine sera dans l'ensemble plutôt chaotique. Alors, mardi, nous retrouverons sur les régions de l'Est ce front avec toujours des pluies qui localement pourraient s'avérer assez fortes et orageuses. À l'arrière, la traîne sera plus active sur les régions de l'Ouest. Pour mercredi, une petite amélioration, un temps un peu plus sec malgré quelques ondées possibles et toujours des résidus du front sur le sud-est. Même chose pour jeudi, tandis que le ciel se couvre à nouveau par l'ouest avec le retour de la pluie qui traversera le pays dans la journée de vendredi. Pas d'évolution du côté des températures. Demain, nous serons le lundi 13 novembre. Nous fêterons la Saint-Brice et je vous souhaite à tous une excellente fin de soirée avec nous sur France 2. Merci. Darty, le contrat de confiance. Satellite, informatique, téléphonie. Avec les magasins Pro et compagnie, retrouvez la fiction du lundi sur France 2.